Donc, le rôle d'un coach, c'est d'inspirer les gens, de les motiver à entreprendre des démarches de mise en forme pour atteindre leurs objectifs, pour se sentir bien et trouver une solution finalement qui répond à leurs besoins. Donc, on est des accompagnateurs, on est là pour proposer des solutions d'entraînement à la maison. Donc, il y a des programmes pour tous les goûts. Elles sont accompagnées de plans d'alimentation qui ont été faits par des nutritionnistes et qui vont vraiment viser davantage le contrôle des portions, connaître quels sont les bons aliments à consommer, dans quelle quantité. Donc, c'est absolument pas des diètes, des régimes, mais c'est plutôt de changer nos habitudes de vie pour un mode de vie sain et équilibré qu'on peut maintenir à long terme. Et puis, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir de formation ou quoi que ce soit dans ça parce que les programmes ont été faits par des professionnels, les plans d'alimentation, même chose par des nutritionnistes. Donc, tout le matériel dont on a besoin pour aider les gens, il nous est fourni par la compagnie. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'évaluer les besoins de la personne, leur proposer une solution qui va être adaptée à leurs besoins, qui va leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils poursuivent et de les accompagner à travers ce processus-là. Donc, de leur offrir du soutien, des encouragements, organiser des groupes de motivation. Dans le fond, je vais passer tout de suite à la prochaine diapositive dans laquelle je parle des défis de groupe. Dans le fond, les défis de groupe qu'on organise, c'est le cœur de notre travail. Ça paraît pas quand, si vous voyez sur nos pages Facebook ou sur Instagram ou peu importe, vous voyez, on partage notre vie, on partage notre quotidien, on partage des recettes, des trucs, des conseils, tout ça, on vous inspire à prendre soin à ce que les gens prennent soin d'eux. Mais en arrière de ça, il y a tout un travail d'accompagnement qu'on fait avec les gens, puis c'est ça le cœur de notre travail, de permettre aux gens d'avoir une belle transformation, d'avoir des résultats et d'atteindre leurs objectifs, puis on fait ça à travers les défis de groupe. Donc, tout le monde suit son programme d'entraînement à la maison, suit son plan d'alimentation, consomme son shake Cology pour maximiser les résultats, fournir à notre corps tous les nutriments qu'il a besoin. Parlant du shake Cology, des fois, il y a plusieurs idées préconçues par rapport à ça. C'est pas un shake de protéines comme les autres, c'est un... Dans le fond, c'est une boisson protéinée, mais elle est remplie de vitamines, de super aliments de partout à travers le monde, vraiment, qui ont été choisis pour leur qualité, qui va permettre à notre corps vraiment d'avoir tous les nutriments qu'il a besoin pour être à son plein potentiel, surtout quand on s'entraîne, quand on suit un plan d'alimentation, c'est important. Si on voudrait là aller chercher dans les aliments, dans les vitamines, tout ce que ça contient dans un seul verre de chez Cology, il faudrait consommer environ 5 salades par jour, puis une foule d'aliments qui ferait en sorte qu'on consommerait, les recherches démontrent, autour de 27 000 calories. Donc, je pense que si on consommerait tout ça et qu'on serait loin de nos objectifs santé, donc d'avoir tout ça dans notre verre qui contient autour de 150 calories, vraiment, c'est génial, puis ça nous donne tellement d'énergie. En tout cas, je pourrais en parler longtemps, là, mais là, c'est pas ça le but aujourd'hui. Donc, les défis de groupe, on est dans le fond, tout le monde fait son programme, suit le plan d'alimentation, consomme le Shakeology, puis on est dans un groupe sur Facebook pour s'encourager, se motiver, se donner des outils. La coach qui est dans le groupe, qui va mener le groupe, va vous apporter des encouragements, de la motivation, va vous donner des outils pour réussir, partager différents trucs, va faire le défi aussi avec vous pour vous donner finalement tout ce que vous avez besoin pour pouvoir atteindre les résultats que vous avez à atteindre et toutes sortes de recettes. En tout cas, c'est vraiment une belle communauté remplie d'amour, puis on crée des liens ensemble, c'est fou. Après notre défi, puis les gens souvent vont terminer un défi puis vont vouloir continuer dans un autre parce que c'est tellement une belle communauté remplie d'énergie positive que... En tout cas, ben, faut le vivre pour le comprendre, là. Mais moi, en tout cas, je suis complètement en amour avec cette formule-là. Alors, notre but, c'est d'inspirer les gens. On n'est ni des entraîneurs, ni des nutritionnistes. On est des accompagnateurs. Comme je disais tantôt, on n'a pas besoin d'avoir de formation, quoi que ce soit. Quand vous vous inscrivez comme coach, nous, dans le fond, on va vous offrir le soutien nécessaire. On va vous donner, vous allez recevoir un courriel de bienvenue. Vous allez avoir une formation en français qui a été faite par notre équipe et qui va vous permettre vraiment d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir aider les gens dans leur démarche, puis tout le soutien que vous allez avoir de besoin. Donc, ce qu'on propose, c'est une formule globale qui va, surtout avec la nouvelle
façon là, qui est sortie dernièrement en décembre, qui nous offre la possibilité d'avoir accès à tous les programmes complets de la gamme de Beachbody en ligne pendant un an de temps. Ça fait en sorte que c'est vraiment une formule globale qui vise des résultats durables. Donc, c'est pas une solution quick fix là, que on va perdre 20 livres en 10 jours. OK, c'est drastique mon affaire, mais c'est pour vous dire que oui, il faut mettre des efforts, oui, il faut investir du temps, puis c'est sur le long terme, mais les résultats que vous allez avoir, vous allez pouvoir les maintenir. C'est ça qui est intéressant avec cette formule-là. Donc, les défis, j'en ai parlé. Des résultats qui c'est une formule qui fonctionne vraiment. T'sais, des fois, on voit des infos commerciales, puis c'est des gens qu'on connaît pas, puis on se dit, bon, mais c'est truqué, mais ça, ces montages-là, c'est tout moi qui les a fait. C'est des participantes qui ont participé à mes groupes. Il y a moi-même qui est là avec ma transformation postpartum avec 21 défis, c'est 21 défis extrêmes. Donc, 13 juin, 25 juillet, j'ai suivi ces programmes-là pour avoir cette transformation-là. On voit mon chum aussi qui a eu des bons résultats. Donc, il y a vraiment des programmes pour tous les goûts, pour tous les genres, tous les objectifs si on veut se mettre, on veut prendre la masse musculaire, si on veut perdre du poids, si on est en postpartum, qu'on soit un étudiant, qu'on soit une personne plus âgée. Peu importe, il y a des programmes pour tous les goûts, puis c'est sûr qu'on va trouver une solution adaptée aux besoins de tout le monde. Les types de coach, dans le fond, là, ce que je vous ai parlé, c'est les coachs qui veulent s'investir dans l'entreprise, qui veulent inspirer les gens, qui veulent en faire peut-être un petit revenu d'appoint, qui veulent peut-être même en faire carrière, comme moi, j'ai des objectifs là un peu plus ambitieux avec cette opportunité-là pour travailler à temps plein de cette opportunité-là, mais ce n'est pas une obligation. On peut être coach hobby aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire un autre travail à temps plein. Il y a plusieurs coachs qui sont dans cette situation-là. Je dirais la majorité des coachs ont tous un travail à temps plein en plus d'être coach. Donc, c'est un hobby pour eux, pour avoir un revenu d'appoint, pour arrondir les fins de mois, pour aider contribuer au revenu familial, pour payer les factures, s'offrir des de gâteries, des petits voyages, peu importe, qui, dans le fond, ne veut pas avoir un 100, 200, 500 $ de plus par mois en faisant quelque chose qui est passionnant, qui ne demande pas nécessairement d'effort, si on peut dire, quand on le fait avec passion. Parce que, tu sais, devenir coach, c'est pas une solution « get rich quick », là. Ça demande des efforts, c'est sûr. Puis, il faut pas le faire pour l'argent, parce que si on le fait pour l'argent, ben c'est dommage, mais ça fonctionnera pas. Faut le faire vraiment pour les bonnes raisons, parce qu'on a ce désir-là en nous de vouloir contribuer au bien-être des gens, de vouloir les inspirer, de vouloir contribuer à leur mieux-être et leur offrir une solution pour qu'ils atteignent leurs objectifs, parce que si... Il y a tellement de up and down. Tu sais, je vais vous dire, je vais être en toute transparence là. C'est pas toujours facile. Ça paraît toujours beau sur nos pages, mais oui, il y a des up and down comme dans n'importe quel autre travail. Puis si on le fait avec passion, bien, on va être capable de surmonter ces petits downs là qui vont nous arriver. Mais si on le fait seulement pour l'argent, bien, il y a des chances qu'on soit découragé. Alors, je tenais à préciser ce point-là, puis aussi à préciser que Beachbody garantit aucun niveau de succès, aucun niveau de réussite avec cette opportunité-là. Tu sais, c'est pas un billet de loto qu'on prend, là. Il y a plusieurs opportunités qui passent, qu'on dit qu'on va devenir... on a la liberté financière en 2 mois, ou peu importe, mais tu sais, je veux vous dire que... si c'est ce que vous recherchez, peut-être que ce n'est pas la bonne opportunité parce que, oui, il va falloir mettre des efforts pour avoir du succès, mais le succès, il est possible. Puis il y a beaucoup de coachs que je connais qui ont réussi à devenir coach à temps plein et faire ça de leur vie. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt à mettre les efforts, comme dans toute entreprise, tu sais. Quand on se part en affaires, on dit que ça prend 5 à 7 ans avant qu'on rentre dans notre argent, mais je vous rassure, avec Beachbody, vous pouvez rentrer dans votre argent demain matin si vous voulez, mais c'est sûr que ça demande du temps. Il y a aussi la possibilité d'être coach seulement pour le rabais.
Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être coach sans avoir à faire quoi que ce soit. Vous voulez simplement profiter du rabais de 25% que vous avez lorsque vous êtes coach. Donc, un peu dans le principe là, des programmes de fidélité qu'on va avoir dans des boutiques ou des choses comme ça, vous avez l'opportunité là, d'avoir un rabais de 25% sur votre écologie, les programmes d'entraînement, les vêtements, peu importe tout. Et ça n'engage pas à faire de vente, ça n'engage pas à avoir de page Facebook, rien du tout. Vous avez seulement le rabais.